Il a sans cesse le cœur à rire. Et pourtant, le mardi 2 janvier 2023, Laurent Riera, plus connu sous le nom de Chicandier, a annoncé que cette nouvelle année débutait dans l'ombre et le doute. Le célèbre humoriste de 44 ans, qui a toujours avoué son sérieux penchant pour la bouteille, a annoncé que les excès allaient finir par lui coûter très cher. Si est-il ce que lui ont révélé, en tout cas, les spécialistes. Le couperet est tombé, ça y est, le couperet est tombé. J'ai une cirrhose, a-t-il avoué sur les réseaux sociaux. Si vous continuez, il vous reste 2 ans à vivre. Bon, ok, moi j'ai voulu cette maladie. Comme une pète russe son sac Chanel. Alors voilà, pour la première fois de ma vie, je dois arrêter sous peine de crever. Et croyez-moi, j'ai quand même réfléchi. J'ai mis tellement l'alcool et ses effets. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à dire de la merde, à fréquenter les bistrots, à parler de vin et de liquoreux. Je vais même tremper une babine de temps à autre.